Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicle sur la map Moon. Donc c'est un glitch qui va vous permettre de faire des XP en illimité facilement et franchement c'est what the fuck quoi, parce que vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez, vous aurez vos atouts à chaque fois, c'est vraiment de la tuerie ce glitch. Franchement si vous voulez XP, c'est un des meilleurs glitchs à faire pour gagner un maximum d'XP. Alors pour ce faire, il vous faudra le bubblegum, expérience de mort imminente, voilà c'est ça. Donc c'est le deuxième bubblegum, le bleu. Après bah, je vous conseille de prendre accro des atouts, je vous conseille aussi d'améliorer des armes, de prendre deux grosses batteuses, même trois grosses batteuses de toute façon, parce que vous allez, si vous tombez, vous avez expérience de mort imminente, ça va vous réanimer. Regardez, je vais mourir. Attendez, on va lancer toutes mes grenades parce que sinon on va tous les tuer. Regardez, je vais mourir. Et vous allez voir, j'ai récupéré tous mes atouts. Donc si j'ai 3 armes, je récupérerai mes 3 armes sans aucun problème. Regardez, là je vais me faire réanimer. Donc il faut savoir que le bubblegum là, je pense qu'il fonctionne pendant 4 manches ou 5 manches, je sais plus trop. Je pense plus que c'est 4 manches. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Mais de toute façon, regardez ce qui va se passer. C'est que les manches, elles vont pas passer en fait. On va faire des manches enfin, on va faire des XP en illimité sans passer les manches. Donc, je pense que pour les connaisseurs, vous avez déjà compris que on va aller sur la Terre, donc le No Man's Land. Donc voilà, pour aller au No Man's Land, vous allez dans le TP ici. Tout simplement. Donc il faut savoir aussi que vous pouvez y aller qu'une seule fois. Par exemple, je suis à la manche 5. Si je veux y retourner, par exemple, si je reprends le TP là, je pourrais plus y retourner à la manche 5. Faudrait que j'aille à la manche 6 et attendre qu'il se recharge. Donc voilà, vous pouvez aller une seule fois au même instant par manche. Donc là, le but c'est de se mettre juste ici dans le coin. Regardez, hop, ici. Et là, tous les zombies vont venir vont se bloquer là, juste derrière en fait. Et vous avez vu, j'ai pu ramasser une claque. Regardez, voilà, là je vais mourir. Et ben, grâce à mon expérience de mort imminente, je vais me relever et je vais avoir tous mes atouts. Donc j'aurai mes 3 armes. Et comme les manches elles passent pas. Enfin si, apparemment elle est passée là. Parce que mon bubblegum a diminué d'un quart. Donc ouais, c'est 4 manches en fait, c'est pas 5. Donc c'est 4 manches. Et en fait apparemment quand vous allez dans le No Man's Land, ça passe directement une manche apparemment. Donc, voilà. Et là vous vous équipez de 3 grosses batteuses hein. Et là vous allez faire un maximum de thunes hein. Je vous conseille d'améliorer deux fois vos armes. Donc vous prenez une fois un eau fourneau, une fois un câble HS, une fois un feu d'artifice. Comme ça, vous tirez 3 balles, une, deux, 3 balles quoi environ, et plus ou moins toutes les on va dire toutes les 30-60 secondes, hein, le temps que le tas se mette devant vous, et ça tuera tous les zombies en 3 balles. Donc vous avez un maximum de munitions avec 3 grosses batteuses. Et si jamais vous voulez encore continuer, eh ben c'est tout simple, vous avez juste à retourner. Là au TP, vous allez à la manche, vous retournez dans le TP, voilà, et là vous tuez des kills, enfin vous faites vos kills, vous passez la manche, vous faites une bonbonnerie, donc essayez d'avoir des gobble gum, des munitions max quoi, comme ça vous pouvez récupérer vos munitions max, essayez de prendre des armes, ouais non pas spécialement des armes au mur, mais vous pouvez prendre des armes au mur, comme ça vous rachetez les munitions au cas où vous avez plus de thunes. Ou alors vous essayez tout simplement de passer les manches pour jusqu'à temps qu'il y a un zombie qui vous donne des munitions max, etc. quoi. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour faire un maximum d'XP. C'est vraiment, je pense que c'est le meilleur glitch pour XP pour le moment. À part le crâne de Nan Sapeu là sur Tsubunoshima, que là franchement vous dormez et vous XP en immunité, donc sans rien faire. Bon, je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne, je vais pas tarder à le présenter. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit glitch vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Par contre aussi, je viens de remarquer un truc. On est toujours à la manche 5. Je pense que quand j'ai fait la vidéo, j'étais à la manche 5. Et à chaque fois que vous allez que vous prenez le TP, et vous perdez en fait un quart de votre dolus bonus, de votre expérience de mort imminente. Donc après, je ne savais pas ça, mais voilà quoi. Vous passez la manche et vous aurez des bubblegum à 0$, 1500, etc. Ça dépend de la manche que vous serez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir.
Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de photos. Allez, ciao, peace.